Bonjour, je suis Claire Delville, designer basée à Paris. Et dans le cadre de l'exposition Voix Parallèle, j'ai proposé un projet de design culinaire avec un pâtissier, Hugo Carine, qui travaille au Ritz, également à Paris. Donc ce projet, on l'a appelé Paysage englouti et on l'a présenté sur l'œuvre Ipséité qui date de 2018. Ce sont des plateaux en verre de l'artiste Raphaël Barrois. C'est grâce donc à tes œuvres qu'on a trouvé le titre du projet Paysage englouti parce qu'on s'est dit donc l'impact climatique qu'on a sur l'environnement passe notamment par la fonte des glaces, d'où l'idée d'avoir des igloos, et cette nature qui se dégrade et qui vient également dégrader le bâti que l'on a construit. Avec ces projets, on incarne l'impact environnemental de l'humain qu'il peut avoir sur son environnement. Donc cela passe par deux façons. Le premier, c'est par le bâti, l'architecture, qui peut effectivement éventuellement dégrader l'environnement. Donc les mets que nous proposons rappellent des colonnes antiques, des igloos, mais aussi des rochers. En fait, c'est une nature qui est dévastée. Et le deuxième facteur qui peut impacter l'environnement, c'est cela passe aussi par l'alimentation. Parce que aujourd'hui, la majorité des produits que nous importons, qui sont très souvent exotiques, ont un impact sur l'environnement. Donc ils sont facilement accessibles et disponibles dans les supermarchés. Et du coup, on se rend pas forcément compte de l'impact qu'ils peuvent avoir. Donc à travers ces mets sucrés, nous proposons des saveurs exotiques, mais qui sont locales. Donc ce sont des plantes qui ont poussé en Île-de-France principalement, puisque Hugo et moi nous sommes basés en Île-de-France. Mais on a aussi des cacahuètes de Souston, parce que oui, il y a une culture de cacahuètes possible en France, due à son climat très doux à cet endroit. On peut faire de la plantation de cacahuètes. De ce que j'ai vu sur les photos, tout à l'heure j'ai eu la question aussi, est-ce que ça poussait sous serre? Les photos que j'ai vues, c'était pas sous serre, et c'était des plantes qui arrivaient à cette hauteur-là. Mais alors peut-être que leur croissance n'était pas finie. Et donc à Souston, parce que c'est une ville ou en tout cas un endroit où le climat est très doux, donc favorable à la culture des cacahuètes. Donc c'est intéressant, et surtout le projet, donc dans les deux autres mets, on a travaillé autour du limon cress, donc c'est une plante qui a un petit goût de citron, plutôt citron vert, et aussi l'oxalis pourpre, qui elle c'est aussi plutôt agrume mais un peu plus doux. Et ce qui est intéressant encore plus aujourd'hui, c'est de se dire que le végétal on connaît peut-être pas très bien, et pourtant il peut nous apporter des saveurs d'ailleurs. Et par exemple, on a voulu aussi travailler avec la soja ananas, mais qui n'était pas disponible parce que c'était pas à la saison. Et elle a vraiment un goût d'ananas. Il y a des plantes qui ont le goût plutôt de vanille, certaines de noisettes. Enfin, c'est assez intéressant.